un troisième sujet qui nous paraît également aussi très important et qui doit s'articuler probablement avec une vision un peu plus globale des choses, c'est la question touristique. La question touristique, elle est liée à des sujets différents que sont la qualité du patrimoine architectural de Domfront, le patrimoine architectural, certes, de la cité médiévale, mais aussi tout le patrimoine 19e qu'on retrouve sur cette ville, donc l'église au 20e. Donc il faut qu'on retrouve une logique un petit peu globale d'appréhension de ce patrimoine. Mais cette question touristique, elle est aussi en lien avec la question du loisir au sens plus large, les différentes voies vélo, la vélocénie qui passe dans ce cœur de ville, comment on va pouvoir se servir de cet atout encore mieux et encore plus, la question du développement de l'offre d'hébergement touristique, comment on va pouvoir redéployer cette offre, comment on va pouvoir imaginer aussi l'ensemble des services en lien avec cette fréquentation des visiteurs. On pense à la restauration, on pense aux différents lieux qu'il va falloir aménager pour développer ce tourisme et pour pouvoir repositionner Domfront dans un réseau un peu plus large, en complémentarité avec les autres communes du territoire.